Bonjour, je vous présente Jabouti, une passion, c'est-à-dire une réussite. Alors, vous mélangez les cartes, hein. Une technique campagnarde, mais combien efficace, pardon. Hop, vous prenez un jeu de 54 cartes et il va falloir réussir à se débarrasser de toutes les cartes. Sur les as qu'on va mettre ici, les quatre as. Alors, dans ce jeu, vous distribuez sept cartes que vous mettez comme ceci. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept cartes. On en met trois. Et ensuite, on va retourner une carte sur chaque colonne. Alors les as, vous les montez. Donc on va faire 1, 2, 3 jusqu'au roi, hein, pour toutes les couleurs. Vous retournez ensuite les cartes. Alors vous regardez, vous voyez, 6 verts, hein, donc c'est vert et noir parce que c'est du bridge, et orange et rouge. Mais on alterne couleur claire, couleur sombre. Donc 7, 6, je retourne. Ici, 4, 3, 5. Donc, je ne peux plus rien faire ici. Donc, je vais remettre une carte en dessous de chaque autre carte dans la colonne. Alors, ici, je peux sortir l'as de pique. Ici, je peux sortir le 2 de trèfle. Le 3 de trèfle. Ensuite, donc le 4 et 3, il me faudrait un 5 rouge. Donc j'ai rien. Donc hop. Donc ici, dame, valet, 6, 5, 4, 8, 7. Hop, j'enlève ici. 10 de cœur. Ici, alors ici je retourne 5 de carreau, donc 4 de pique, 3 de cœur, ici 3 de pique, ici 6 de carreau, le 9 de pique, donc j'ai un 7 de pique, alors je peux le mettre. Non, pas sous le 8. Alors, 5, 4, 3. 4, 3. Alors, je ne peux plus rien faire ici. Je regarde. Non. Donc, je retourne. Ah, pardon. Il me reste ici 10 de trèfle. Alors, 9, 8, 7, 6. Je peux les prendre et les mettre là, ce qui me fait prendre mon 5 et le mettre ici. Valet de cœur. Alors, 8, est-ce que j'ai autre chose? 7, 6, mais là j'ai le 9. Non. 5, 4, 3, ça va pas. Donc là, bah si, je peux prendre ça. 7, 6, 5, 4, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bien là, je peux prendre 9, 8, 7, 6, 5. Dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ici, 9 de cœur, je peux mettre le 8 de trèfle. Le 10 ici, je peux le mettre ici. Je peux retourner le 5. Alors, ici, est-ce que je peux faire encore quelque chose? C'est dame de cœur, roi de carreau, donc ça ne va pas. Bon, je crois que je ne peux plus rien faire. Donc, je retourne une carte. Là, je peux monter l'as de carreau. Ensuite,
carte. Ensuite, que puis-je faire? Eh bien, je crois que je ne peux pas. Si, je peux prendre tout ça de la dame jusqu'au 4. Hop, ici. Ensuite, ici, la dame, je peux la mettre ici. Le 8, ben, je peux le mettre ici, mais il est déjà. Par contre, ce 9-là, je peux le mettre ici. 2 de cœur, ici. 8 de cœur. Alors, 7, 6, 5, 4, 3. Hop, je peux prendre ça comme ceci. 6 de pique. Ah, dommage, il va m'embêter, lui. Non, valet 10, 9, 8. Valet 10, 9, 8. Dame de trèfle. 10, 9. Alors, 6, 4 de cœur. Ah, le 3 de cœur est là. Bon, là, je crois que je ne peux plus rien faire. Donc, je vais retourner les dernières cartes. Donc là, je peux prendre le 4 de trèfle, le 8 de pique. Est-ce que je peux faire autre chose? La dame de cœur, non, elle est sur le roi de pique, donc ça ne va pas. 10 de pique. Alors ici, le roi, je ne peux pas le mettre. Ici, je ne peux rien mettre. Ici, 8 de cœur, je ne peux pas mettre. Dame de trèfle va nulle part non plus. Là, je peux mettre le 6 sur le 5, mais ici, il y a le 10, donc c'est d'abord le 10, hein. En priorité, je ne peux pas. Et ici, roi jusqu'au 4 de cœur. Eh bien, je ne peux pas. Donc ici, en l'occurrence, la réussite est perdue. Donc, vous pouvez réessayer jusqu'à ce que vous réussissiez. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.